Alors on y va pour la deuxième partie de ce cours. Donc comme on a vu, ce qu'on essaye d'arriver à une conclusion dans ce cours, c'est de comprendre quelle est exactement la définition qu'on doit donner à cette Simcha Yetera, cette joie en plus qui se passait dans le Beit HaMikdash, qu'on appelle la Simcha Beit HaShoeva, mais que le Rambam ne cite pas du tout par ce nom. Donc comment le Rambam comprend exactement l'origine de cette mitzvah. On avait vu dans le premier cours comme quoi il y en a qui ont voulu expliquer que d'après le Rambam, vu que le Rambam il ramène le pasuk ou smartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim, c'est que le Rambam il tient que c'est une mitzvah de la Torah, c'est une obligation de la Torah de se réjouir de cette manière, etc. Mais comme le Rambam l'a fait longuement, ça pose énormément de problèmes de comprendre comme ça cette joie-là. Donc à partir de Seivav, donc on est encore dans le côté Sechot Chalek Yudzayin, un parachat est mort. À partir du Seivav, dans cette Sicha, le Rabbi va nous expliquer comment comprendre le Rambam. On y va, on commence dans le Seivav. Fabio Becholze, l'explication dans tout ça. Kavanat Rambam, l'intention du Rambam. Beavio Makor le Simcha Yetera Shevechag Asukot, Minakatuv, Usmartem Lifnei Hashem Elokechem Shevat Yamim. L'intention du Rambam en amenant que la source de cette Simcha Yetera, donc l'origine de cette Simcha, de cette joie en plus qui se passait pendant la fête de Sukkot, c'est le pasouk et vous vous réjouirez devant Dieu pendant 7 jours. Ena Torah tifta kan al chiyuv nosaf le simchat yom tov aynu achiyuv de simcha yetera bechag haSukkot. C'est pas du tout l'intention de dire qu'en réalité si la Torah est en train de nous obliger une autre mitzvah de joie pendant la fête de Sukkot. Il faut pas du tout comprendre que le Rambam en amenant ce pasouk qui veut nous dire qu'en plus de la mitzvah de se réjouir parce que c'est écrit Samarta bechagecha, eh bien, il y a la mitzvah d'avoir une simcha yetera, d'avoir une joie en plus pendant la fête de Sukkot. C'est pas du tout ça l'intention. Et encore une fois, on a dit que de comprendre comme ça, c'est très dur. Alors pourquoi il ramène le pasouk? Et là, avant ça, c'est l'explication suivante pour vraiment dire quelle est la mitzvah. C'est ici qu'on va le voir clair. Kevan shakatuv madgish et achiyuv shel simchat yom tov bechag haSukkot bebet haMikdash yoter mibishar yamim tovim usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. אף על פי שחיוב שמחת יום טוב ידוע כבר ממה שכתוב ושמחת לחגך. Le Rambam nous ramène le pasouk qui nous dit comme ça. Quand on voit dans la Torah, c'est écrit ושמחת בחגך, tu te réjouiras dans tes fêtes. C'est-à-dire que Yom Tov, Sukkot, on doit être joyeux. Et pourtant, on voit que la Torah, elle ramène un autre pasouk dans lequel elle nous dit qu'il faut être joyeux. La Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? Elle est en train d'accentuer qu'elle veut qu'on soit joyeux à la fête de Sukkot. Pas de nous donner une autre obligation, la même obligation de Yom Tov, la même obligation de Simchat Yom Tov. Quand ça arrive à Sukkot, la Torah, elle nous ramène un pasouk. Donc la Torah nous dit, fais bien attention à ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Le fichach haïta neuga b'shivat hayamim b'amigdash yom simcha yetera. Adavar garam ve'orer shenagu az b'simcha yetera בתוך שמחת יום טוב עצמה, מצד ההדגשה במצווה הכללית, de שמחת יום טוב. Alors le Rambam nous dit, c'est pour ça qu'une habitude a été prise. Et là le Rambam il est clair, il ne dit pas qu'il y a une mitzvah de se réjouir. Comme le Rambam il souligne, Aïta ben Mikdash, il y avait, c'est ce qui s'est passé. En d'autres mots, les Juifs en regardant dans la Torah, et ils ont vu que la Torah accentue sur la mitzvah de la fête, donc les Juifs ont bien compris que d'après la Torah, on a envie que pendant la fête de Sukkot, pas juste on soit joyeux, mais on soit joyeux beaucoup plus que comment on est joyeux dans le reste des fêtes. Et donc c'est ça qui a réveillé chez les Juifs de adopter un tel comportement qui va amener de se réjouir d'une manière tellement grande avec les instruments de musique, etc., etc. Vezo kavanat haRambam b'mashkatuv le'alan b'alacha smucha. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand le Rambam il vient à la suite de l'alacha, on l'a lu dans le shiur précédent, le Rambam il nous dit mitzvah le'arbot b'simchazu. Il y a une mitzvah de multiplier 7 joies. Quelle joie il parle? La même joie de Vesamarta Bechagecha. Aïnou. She'en kan mitzvah vechiyuv bifne atzmo shel simcha yetera. C'est pas une mitzvah, c'est pas une obligation à part entière d'avoir une simcha yetera pendant la fête de Sukkot. Et là, she'be mitzvah zu shel simcha yom tov atzma. Dans cette même mitzvah de se réjouir pendant yom tov, yesh adgasha veosafa. Il y a un ajout, on est en train d'accentuer. Juste pour expliquer. Avant, on comprenait que puisqu'il y a deux psukim, Vesamarta Bechagecha, ou Smartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, donc c'est deux mitzvot. D'ailleurs, ça pose problème, comme on a vu. C'est pas du tout ça l'explication.
Le Rambam dit, puisque les Juifs ont vu que la Torah accentue cette idée-là de être joyeux pendant la fête. Alors les Juifs ont compris comme ça. Qu'il y a la mitzvah de se réjouir pendant la fête de Sukkot, ça c'est une obligation. Mais en plus de ça, les Juifs de eux-mêmes ont pris cette coutume de se réjouir encore plus en souvenir de ça, que la Torah demande et accentue d'être joyeux pendant la fête de Sukkot. Mais ce n'est pas une autre obligation. Une fois qu'on comprend que ça, c'est la définition de la fête d'après le Rambam, alors on va très bien comprendre comment ça se fait que le premier soir de Yom Tov, on n'avait pas le droit de sortir les instruments de musique pour fêter cette joie, et on était obligé d'attendre le deuxième soir de la fête, dans les mots. Val pisé, selon ça, Mouvanatam, She'en Simcha Bet HaShoeva de Yom Tov. Que la Simcha Bet HaShoeva ne peut pas repousser l'interdiction de toucher aux instruments de musique pendant la fête. Pourquoi ? Bien que cette joie-là, en plus, qui se passait pendant la fête, est reliée avec le passou qu'il faut se réjouir pendant 7 jours. Et plus que ça, et c'est vrai qu'on est en se réjouissant de cette manière, on va quelque part plus accomplir la mitzvah de se réjouir pendant Yom Tov, mais comme à comme. Kevan shen chiyuv meyuchad mina Torah la simcha yetera. Vu qu'il n'y a pas une obligation d'après la Torah de se réjouir. Va mitzvah d'aser des simchat Yom Tov min kaimet gam lelo a simcha yetera. La mitzvah de se réjouir pendant Yom Tov, on peut l'accomplir sans simcha yetera, comme on a dit, en buvant du vin, en mangeant de la viande. Et là, on a accompli la mitzvah entièrement. Ça qu'on devait se réjouir en plus pendant la fête de Sukkot, c'est pas du tout une mitzvah. C'est juste parce que la Torah l'a accentué. Alors nous, on a pris sur nous de plus se réjouir pendant la fête. Alors là, effectivement, c'est quelque chose qu'on a pris sur nous de plus se réjouir parce qu'on voit que la Torah l'accentue. On va pas enlever une interdiction des chachamim. En bekocha litrot et aïsour le nagen biklesher ve yom tov afal pishenu elami de rabanan. On n'aura pas la force de repousser l'interdiction de jouer des instruments de musique, même que c'est vrai que c'est une interdiction qui est uniquement d'après les sages, mais c'est une interdiction. Et ça qu'on est en train de se réjouir encore plus, c'est pas du tout une mitzvah, ni d'après la Torah, ni d'après les chachamim. C'est quelque chose qui a été pris en plus par le peuple juif. Et donc comme ça, on arrive à la conclusion pour répondre quelle est exactement comment le Rambam comprend ça qu'on se réjouissait dans le Beit HaMikdash. Donc bien sûr, on peut répondre à toutes les questions maintenant. On comprend bien comment ça se fait que du Pasuk ou Smarten, on apprend la mitzvah du Lulav, comme on avait cité, parce qu'il n'y a aucun problème. Le Pasuk ou Smarten, la seule mitzvah qu'on apprend, c'est le Lulav. Toutes les autres choses qu'on apprend et les autres pratiques qu'on met en place, comme la Simcha Yetera, cette joie en plus de Simcha Bet HaShoeva, et uniquement parce qu'on voit que la Torah accentue la joie. Mais ce n'est pas qu'on dit que la Torah est en train de me demander d'être joyeux. Ce n'est pas du tout une mitzvah. Et c'est pour ça que ça ne repousse pas l'interdiction de jouer des instruments de musique. Alors, bien dit qu'avec ça, on peut aussi comprendre un autre détail. Val pise mouvan gamatam, shenakat arambam, sheerev yom tov arishon ayu metaknim bemikdash, makom lenashim vichulu. Av shemashma mipash tout lashon amishna, shetikun ze aya bemotsae yom tov arishon shelcham. Pour eux, si on apprend la Gemara, ça a l'air que c'est quand qu'ils construisaient ces balcons qu'on avait dit pour les femmes, etc. C'est quand qu'ils préparaient la salle pour la Simcha Bet HaShoeva. Ça a l'air que c'était à la sortie de Yom Tov, puisque c'est là que la fête commençait concrètement. Mais le Rambam, il dit clairement que c'est la veille de Yom Tov, donc quand c'est encore les jours de Chol, qu'on construisait et qu'on préparait toute cette salle. Pourquoi ? Ben, d'après ce qu'on vient d'expliquer, on va très bien comprendre. Parce qu'on vient d'expliquer qu'en vérité, Simcha Bet HaShoeva, ce n'est pas du tout une mitzvah. C'est juste quelque chose d'en plus que les Juifs ont pris sur eux. Alors, et de Kevan Shen Chiyuv Meyuchad Min HaTorah La Simcha Yetera Kanal. Imken, Ech Itachen Nitrot Bishvila Isur Asiyat Melacha Bechol HaMoed. Velachen Piresh HaRambam Shetikun Zeh Asahu Berev Yom Tov. Alors maintenant, on comprend bien. À la sortie du premier Yom Tov, c'est plus Yom Tov, mais c'est encore Chol HaMoed. Alors c'est vrai que Chol HaMoed, on a le droit de faire certains travaux, mais donc, qui sont interdits pendant Yom Tov, mais des choses qu'on peut les faire avant la fête, il faut les faire avant la fête. Et donc maintenant, on comprend bien. Vu que le Rambam apprend que Simcha Bet HaShoeva n'est pas du tout une mitzvah, n'est pas du tout une obligation, avec quelle permission on va se permettre de construire donc pour faire cette joie-là et de faire des travaux interdits pendant Chol HaMoed?
Alors c'est vrai, s'il n'y a pas la solution, il n'y a pas la solution. Mais vu qu'on peut le faire avant Yom Tov, on le fait avant Yom Tov, il n'y a rien qui nous permet de transgresser, si on peut dire, Chol HaMoed, pour faire cette joie. Et c'est pour ça que le Rambam dit que c'est quand qu'on construisait, qu'on faisait toutes ces choses-là pour préparer la fête. Ça se faisait la veille de la fête donc de Yom Tov, quand c'était encore des jours de Chol, des jours de semaine. Et donc à la suite de ça, on pourra vraiment aussi comprendre tout le reste des questions qu'on avait posées au début de la Sicha. Maintenant, on va aussi comprendre comment on peut avoir des différences, comment cette joie-là était pratiquée dans le temps. On a posé la question, on a dit si c'est une mitzvah de la Torah, depuis quand on fait des différences entre les juifs? Une fois qu'on a compris que ce n'est pas une mitzvah de la Torah, ce n'est pas une mitzvah des Rabbanan, c'est du moins quelque chose que les juifs d'eux-mêmes ils ont pris, parce qu'ils ont vu que la Torah a accentué cette joie. Alors on va bien comprendre la différence. Kevan, chez Asimcha Yetera et Nachiyu Vufna Atzmo. Puisque cette joie en plus, Simcha Beta Shoeva, ce n'est pas une obligation à part entière. Et la Yosafa, Vadgasha Yetera, Bechibouv, Amitzva, Shel Simcha Traga Sukot, Pipneche Simcha Zomudgeshet Yoteva Katuv Kanal. Mais c'est uniquement que puisque la Torah accentue qu'on doit avoir de la joie. Donc les Juifs, en montrant, si on peut dire, l'amour qu'ils ont envers les mitzvot et envers ça que la Torah demande de plus se réjouir. Et donc, ça qu'on chérit quelque chose, ça qu'on aime quelque chose, Aren Adavar Talouyela Balev, Bofen Argashat Adam dépend vraiment du sentiment de la personne. Adkama Margishu, être avez-vous ta mitzvah, combien lui, il ressent l'importance de cette mitzvah. On le trouve ici, le rabbi dit quelque chose, il remet en quelques mots ce qu'il a dit avant. Qu'est-ce qui se passe ici? Les juifs, ils voient et que la Torah accentue, que la Torah dit encore une fois qu'il faut se réjouir. Alors un juif qui aime la Torah, automatiquement dit, si la Torah que j'aime, elle demande de plus me réjouir, alors moi on est, pas elle demande de plus se réjouir, elle me parle encore une fois d'une joie de la fête, alors un juif en aimant la mitzvah, eh ben, automatiquement il voudra encore plus se réjouir. Alors combien un juif aime la Torah, combien un juif il ressent que puisque la Torah elle l'accentue, eh ben, lui il sent qu'il doit plus le faire, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Puisque ce n'est pas une obligation, mais c'est uniquement chacun quel sentiment il a envers la Torah. Combien il ressent l'importance de ça que la Torah accentue sur quelque chose? Ben chacun, c'est en fonction du niveau à combien ben, il est attaché dans la Torah. À la Torah, ou même il est donc automatiquement. Une personne qui était dans un niveau très très haut spirituellement, une personne qui est attachée d'une manière profonde à la Torah. Alors lui, la joie l'a tellement pénétré, cet amour qu'il avait pour les mitzvot l'a tellement pris qu'il dansait, qu'il chantait, qu'il tapait des mains, comme on dit par rapport au grand sage, au grand sadikim. Par contre, chez tout le reste du peuple, chez les gens simples, qu'eux, ils ne sont pas à un niveau tellement fort que puisque la Torah, elle me parle de quelque chose de foi. Donc chez moi, ça a créé une joie tellement grande. Alors eux, leur joie s'exprimait uniquement qu'ils regardaient et qu'ils écoutaient. Ce qui veut dire, le rabbi dit, comme il dit dans la note 45, c'est pas que les autres juifs n'étaient pas du tout en train de se réjouir. Bien sûr qu'ils se réjouissaient. D'ailleurs, le but des grands sages, c'était mesamchin, comme le rabbi l'accentue, c'était de réjouir d'autres personnes. C'est juste que les autres personnes, vu qu'ils n'ont pas un attachement tellement grand envers la Torah, donc c'est pas parce qu'ils vont voir que dans la Torah c'est écrit deux fois, mais automatiquement la joie va se réveiller, ils vont aller danser, ils vont aller chanter, ils vont aller faire toutes les choses, toutes les grandes choses que les sages y faisaient. Et ça, c'est l'explication. Alors, on les fisait d'après ça. Shen asimcha yetera chiyuv min haTorah. Et la yosafa b'mitzvat aseh de simchat yom tov. Asher tluya b'hergesh haAdam b'chavivut mitzvah zo. Donc, en expliquant qu'en vérité, la simcha yetera n'est pas une obligation de la Torah. C'est juste de plus accentuer la mitzvah de se réjouir d'une manière générale pendant yom tov. Et ça dépend vraiment de chacun, combien chacun ressent l'importance du mitzvah. Yuvan Gam, on pourra comprendre aussi. Atam shekol echad nasugin elu gdolei chachmei Yisrael chulu. Ve'anshe maaseh ayu osin ota. Et כל אחד מהם יש לו מעלה שאינה אצל השאר, וממילא גם מן המיוחד והחביבות. ב', המקור לכך שכל הסוגים שמנה הרמב"ן השתתפו בעשיית השמחה. Grâce à ça, on pourra comprendre comment ça se fait qu'on nous parle de toutes ces catégories-là qui ont participé à la joie de la fête. Parce qu'on vient d'expliquer qu'en vérité, cette joie de Simchat Beit HaShoeva, ça dépendait de combien chacun ressentait l'importance de quelque chose qui est écrit une deuxième fois dans la Torah. L'importance de quelque chose que la Torah, elle accentue. Alors le Rambam, il vient et il nous dit,
Ben, c'est pour ça qu'on doit parler de toutes ces catégories, parce qu'en vérité, toutes ces catégories de personnes nous montrent comment la Simcha Bet HaShoeva était pratiquée d'une manière différente. Parce que le Rosh Yeshiva ressentait d'une telle manière. Une autre catégorie qui est le membre du Sanhedrin, il ressent d'une autre manière. Et pareil pour le Skenim, pareil pour les Chassidim, etc. Et d'ailleurs, on pourra aussi comprendre, comme on va voir à la suite, quelle est la source du Rambam de tous ces personnages qui participaient à la Simcha Bet HaShoeva. Rabbi dit comme ça. Bagmara dans la Gemara, Babli v'Yerushalmi, donc dans le Babli, dans Yerushalmi. Mouvaim rak tanaim achadim mishman. Umetuar ofen anagatam odivrehem besimcha bet HaShoeva. Quand on voit dans la Gemara, c'est intéressant. Quand la Gemara nous décrit comment ça se passait, la Simcha Bet HaShoeva, elle nous parle aussi de certains comportements de certains sages, ou certaines choses que certaines grandes personnes disaient au moment de la Simcha Bet HaShoeva. Maintenant, c'est intéressant. Il n'y a pas seulement ces quelques, comme on verra, il y en a quatre. Il n'y a pas seulement ces quelques personnes qui ont participé à la grande joie de Simcha Bet HaShoeva. Bevadai ishtatvu besimcha bet HaShoeva kol atanaim shayu bebet hamikdash vekama amru hadvarim. C'est sûr qu'il y a énormément de tanaim, de grands sages, que eux ils participaient à la joie de Simcha Bet HaShoeva. C'est sûr qu'il y en a beaucoup aussi qui ont dit certaines paroles très très importantes. Mais pourtant, et là chez Bagmara, tu nous bimyuchad atanaim asfurim alalu ou bishmam lo yoter velo parod. Pourtant, on voit que la Gemara nous parle uniquement de certaines personnes, que ces personnes-là. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est aussi ce que la Gemara veut nous dire. Bipne shehem kolelim et kol sugei mishtatfim besimcha bet HaShoeva. Parce qu'en vérité, l'explication est que quand on cite ces personnes, ce n'est pas juste pour parler d'une personne spécifique. Parce que cette personne, c'est un certain personnage qui représente une certaine catégorie du peuple juif. Et la Gemara me parle de eux. Vechol echad mehem ou sug bifne atzmo me'elu shayu osinota et asimcha yetera ki besugim elu dafka. Et donc, l'Agmara me parle de ces personnages parce qu'en réalité, ils représentent une certaine catégorie de personnes. Et puisque tout Simcha Bet HaShoeva, c'est en fonction de combien on ressent, de combien on est attaché, donc on parle de ce personnage-là pour me dire que la Simcha Bet HaShoeva était ressentie de cette manière à travers lui, qui n'est pas en fait lui, à travers lui, qui est à travers cette certaine catégorie de juifs. Et pareil, on va ramener un autre Tana, un autre grand, parce que lui va représenter une autre partie du peuple juif. Et pour nous dire encore une fois que la Simcha Bet HaShoeva, donc c'était une joie qui était ressentie de la manière de cette personne. Et c'est ça ce que le Rabbi va faire à la suite, donc dans le Sefer Tet. Le Rabbi va prendre les quelques personnes qu'on parle dans la Gemara. Il va nous dire la spécificité de cette personne qu'on va trouver sur lui dans d'autres endroits dans la Gemara. Et comme ça, on va comprendre de où le Rambam a tiré ces plusieurs catégories qu'il a écrites dans son livre. On commence à partir du Seifret. Bigmara Neymar dans la Gemara nous raconte, donc le premier Tana, de qui on parle, Aleph, Amar Rabbi Yoshua ben Chanania. Keshainu smechim simcha bet HaShoeva chulu, lo ta'amnu ta'am shena chulu, da'abu menam neme akit fede adade. Amara nous dit, il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Chanania, donc elle nous donne son nom. Et lui, il dit comme ça, que quand on faisait la fête de Simcha Bet HaShoeva, on n'a jamais goûté le goût du sommeil. Il ne dormait pas. Alors, bien sûr, une personne a besoin un peu de se reposer. Il dit, ce qu'on faisait, c'est qu'on somnolait chacun sur l'épaule de l'autre. Ça, c'est comment il vient pour décrire comment elle était grande la joie de Simcha Bet HaShoeva. Parenthèse, le Rabbi, il ramène dans la note 48. C'est de là qu'on apprend qu'on a le droit de dormir en dehors de la soukha, comme il faisait ses grands tanaïm déjà à l'époque du Bet HaMikdash, etc. Maintenant. Umalato amiyuchedet shel Rabbi Yoshua ben Chananya shebiglala uvu bagmara dvarav benogi al ishtatfuto besimcha bet HaShoeva. Quelle est la qualité spécifique qu'on pouvait retrouver chez Rabbi Yoshua ben Chananya que pour cette raison-là la Gemara elle me parle de lui. Comme on a dit, la Gemara elle parle pas juste des personnes. Il y avait énormément de personnes qui ont participé, énormément de grands tzadikim, de grands tanaïm. C'est la Gemara elle me parle de lui, c'est parce que lui il a une certaine qualité et la Gemara ici veut nous faire référence qu'il y a une certaine catégorie de juifs qui faisait cette joie de cette manière-là, de danser de taper des mains, de chanter, etc. Donc, quelle est la qualité de Rabbi Yoshua ben Chananya? Alors, on trouve dans la Gemara. Mais ce n'est pas Bagmara, c'est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Bechorot. Rabbi Yoshua ben Chananya idvakeach im save de Be'atuna, shayu chachamim doli venitra. C'est une Gemara très très intéressante, chacun peut aller voir, dans Dafret Amoudbet là-bas. Rabbi Yoshua ben Chananya, c'était une personne qui est partie avoir des débats, discuter avec les grands savants, les grands sages d'Athènes.
À la base, tous les très grands savants, vraiment tous les très grands philosophes de l'époque, ils étaient à Athènes. Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'était lui le représentant du peuple juif qui est parti pour avoir des débats. La Gemara nous raconte énormément les discussions qu'il a eues. C'était toute une histoire pour rentrer dans leur salle. Personne n'avait le droit de rentrer. Là-bas, déjà, on a vu sa grandeur pour réussir à rentrer. Et puis après, il a eu des débats et il a répondu à toutes les réponses. Et lui-même, il est sorti vainquant. Donc, c'était un très grand sage, un très, très grand chacham. Plus que ça, on raconte sur Rabbi Yehoshua ben Hanania, « Od mesupar bigmara, shelifne istalkuto shel Rabbi Yehoshua ben Hanania shealu chachmei bnei Yisrael, maiteve alam epikorsin. » Là, ici, c'est clair, pour montrer la grandeur de la sagesse de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Agmara dans Chagiga, elle dit que quand ça arrivait à la fin de sa vie, les chachamim, donc eux-mêmes, c'était des sages, ils sont venus voir Rabbi Yehoshua ben Hanania, ils ont dit, « Mais qu'est-ce qu'on va faire une fois que tu quitteras ce monde ?» pour répondre aux épicorsines, pour répondre à tous les gens qui nous posent des questions sur la religion juive. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il avait beaucoup, bon déjà on voit avec ses discussions avec les gens d'Athènes, même souvent dans la Gemara on raconte qu'il avait des débats avec des épicorsines, avec des gens qui connaissaient très très bien la Torah mais, et qui posaient des questions. Alors les chachamim eux-mêmes, ils disent, mais comment on va faire quand tu vas partir? Veshiv lahem al kach, et donc il leur a répondu. Il leur a répondu deux explications, enfin deux réponses. Bepasuk, avec le pasuk, Avda et Tsamibani Munisrecha Chochmatam. Dès le passage qui dit que quand la sagesse quittera les enfants, le peuple juif, eh ben, la sagesse des Goïm s'oubliera aussi. En gros, il a voulu dire que Dieu il donne de la sagesse aux Goïm uniquement en fonction de combien il y a chez les Juifs. Et si lui va quitter ce monde, donc ça, la sagesse des Juifs va diminuer, mais aussi chez les Goïm, il n'y aura pas autant de sagesse. Et donc, on pourra répondre à leurs questions en fonction des autres sages juifs qui restent dans le monde. Veiba et Tema, il y en a qui disent qu'il leur a répondu avec l'autre pasouk. Vayomer Nissa venelcha velcha nenagdecha. C'est un pasouk que Yaakov il dit à Esav qu'on voyagera et on ira, si on peut dire, ensemble au même niveau. Toute une explication, en tout cas, c'est pour dire que ben, la sagesse chez les juifs, elle est au même niveau que Esav l'égoïme. Et donc il ne faut pas s'inquiéter parce que si les juifs y perdent, et ben aussi l'égoïme, ils vont perdre leur sagesse. Mais qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Allez, chez Rabbi Yehoshua ben Hanania, aya migdole chachme Israël. On voit que Rabbi Yehoshua ben Hanania, ce n'était pas juste un chacham, comme il y en avait beaucoup dans le peuple juif, mais il était vraiment l'unique, si on peut dire, pour sa sagesse. Il faisait partie des grands sages du peuple juif. De là, le Rambam tire et écrit dans son livre que qui participait à cette joie, ou misait la main d'un Rambam, Shekdole Chachme Israël, Ayus Mechim, et Simchabata Shoeva. Donc c'est de ça que la Gemara, elle me cite le nom de Rabbi Yehoshua ben Hanania, que le Rambam tire cette idée-là de dire que c'est les grands du peuple juif, les grands des sages, des chachamim du peuple juif qui participaient à Simchat Bet HaShoeva. Premier point. Deuxième, une autre chose qu'on raconte sur un sage, c'est sur Rabban Shimon ben Gamliel. Amroalav Rabban Shimon ben Gamliel, Shaya Sameach be Simchat Bet HaShoeva, Aya Notel Chulu. Amroalav nous dit que Rabban Shimon ben Gamliel, quand lui se réjouissait, il prenait les torches de feu, il en avait 8 qu'il réussissait à jongler avec. Ça, c'est ce que la Gemara raconte sur lui. Quelle est la spécificité de Rashbag? Alors, c'est simple. Rashbag aya nasi à Sanhedrin. Il était à la tête du Sanhedrin, du tribunal rabbinique. Kamesupa Bagmara, comme c'est raconté dans la Gemara, ve Sanhedrin dola uminyanam shivim ve'echad v'cholou. Agadol bechokhma shebekulam oshimim oto rosh aleihem ou rosh haYeshiva, veu shekorim otam hachachamim nasi bechol makom. Donc Rashbag, lui, c'était le nasi. C'est qui le nasi? C'est que dans le tribunal rabbinique qui était installé à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, dans le Lishkat Hagazit, il y avait 70 sages, 70 grands membres du tribunal, et à la tête, il y avait le nasi, ce qu'on appelle le nasi. Donc c'est quoi le nasi? Un nasi ou Rosh HaSanhedrin, c'est celui qui est à la tête du Sanhedrin. Donc Vezeu Makor Rambam, Shah Sanhedrin Samchou, mais c'est Mchabata Shoeva. Donc de là qu'on cite encore une fois le nom de Rabban Shimon ben Gamliel, le Rambam il dit, parce qu'en vérité on veut te dire qu'il y avait aussi les membres du tribunal rabbinique qui étaient là-bas et que eux ils participaient à cette joie-là de Simchat Bet HaShoeva de leur manière, comme on a expliqué longuement pourquoi on citait les noms de ces sages. Donc de Rabbi Yehoshua ben Hanania on apprend les Gdolé Chachmé Israël, de Rabban Shimon ben Gamliel on apprend que aussi le Sanhedrin était là. Gimel, une autre chose qu'on voit que la Gemara nous raconte sur qui? C'est Amro Laval Hillel Azaken. Keshaya Samer Besimchat Bet HaShoeva Amar. La Gemara nous dit qu'il y avait une personne, donc Hillel, et la Gemara ne dit pas juste Hillel, Hillel Azaken, Hillel l'ancien.
que lui, quand ça arrivait Simcha Bata Sholva, eh ben, il disait une fameuse phrase, Imanika Nakolkan, si moi je suis là, tout est là, il fait référence à Dieu, etc. Donc on cite son nom. On cite son nom en disant qu'il était à Zaken. Dans la Gemara, on parle de Hillel. La semaine dernière, on avait donné cours sur la fameuse phrase d'Hillel, aime le shalom, poursuit le shalom, etc. On ne l'appelle pas Hillel Azaken là-bas. Pourtant, ici, la Gemara, elle fait attention de l'appeler Hillel Azaken. C'est pourquoi? C'est forcément parce que ici, la Gemara, elle veut te dire, sache que quand on te parle de Hillel qui participait à la Simchal Bet HaShoeva, il participait en tant qu'un des Zaken, des Skenim, un des anciens du peuple juif. Et donc c'est de là que le Rambam il apprend. C'est là que le Rambam il apprend qu'une autre catégorie qui participait essentiellement à cette joie, c'était les Skenim. Et comme ça on a trouvé une source presque pour tous les noms que le Rambam cite. On va arriver à une dernière, qui était le Rashi Yeshiva. Donc on l'apprend, alors il dit dans Save Tête. Dalet. Yerushalmi Nosaf. Les trois personnages qu'on a cités avant, c'est ce qu'on parle dans l'Agmara Babli. Dans l'Agmara Yerushalmi, qu'on parle aussi de Simchal Bet HaShoeva, très intéressant aussi là-bas, on parle d'une autre personne. C'est qui? C'est Ben Yehotzadak, le fils de Yehotzadak. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ayamishtaber Bikfitzotav. Il se vantait, il était fier, si on peut dire, de ses sauts, de ses bons. Ben Yehotzadak, c'était une personne qui faisait des sauts, etc., pour ajouter de la joie dans Simchal Bet HaShoeva. Donc on parle aussi de lui. Pourquoi on le cite encore une fois? C'est forcément pour apprendre une certaine que lui, il représente une certaine catégorie du peuple juif. Mais quoi? Alors là, c'est un peu plus compliqué, on verra. Kvatch, Asipuruva, Kedelimon, Humen, où on ramène l'histoire encore une fois avec son nom pour apprendre de ce personnage. Arebevadai, l'obalistom. C'est sûr qu'on ne verra pas juste pour simplement. Et la Kavanahi, les Gadol, Beisrael, Bisban, Shebet, Amigash, Kayam, Shodotam, Meduba, Makomacher. C'est forcément qu'on parle ici d'un grand personnage du peuple juif, qu'on peut le retrouver dans un autre endroit dans l'Agmara. Alors le problème est qu'on ne retrouve plus Ben Yehotzadak. Les mots Ben Yehotzadak ne sont pas écrits dans l'Agmara. On peut retrouver une autre personne, Rabbi Shimon Ben Yehotzadak. V'achem dire Shimon Tatanaim nimtza Rabbi Shimon Ben Yehotzadak. Aval lo matzinu bedivrei Chazal sheuzkera ma'ala meyuchedet shel Rabbi Shimon Ben Yehotzadak. Ubehechrech lomar shema'alato mitbatet bekinuyo Rabbi Shimon. Donc on retrouve une personne qui s'appelle Rabbi Shimon Ben Yehotzadak. Donc forcément que c'était lui, le grand sage de qui on parle, qui faisait les sauts devant tout le monde, etc. Maintenant, quelle est la qualité de Rabbi Shimon ben Yehotzadak? On ne trouve pas. On ne parle pas tellement de lui dans toute la Gemara. Alors, forcément, Rabbi dit peut-être que sa qualité, elle est dans son nom. Rabbi Shimon. Rabbi. Ça, c'est sa qualité. Quelle est la qualité de Rabbi? Qu'est-ce que le nom Rabbi représente? On voit. Mishesh lo talmidim korim oto rabbi. Vaïdou. Chez Rabbi Shimon ben Yehotzadak haya Rosh Yeshiva. Et Tosefta qui dit que c'est qui qu'on appelle Rabbi? C'est quand quelqu'un ben, il a des élèves. Quand il a des élèves, on l'appelle Rabbi, qui vient du mot Rav, en maître. Donc on comprend que si on parle de Rabbi Shimon ben Yehotzadak, c'est quoi sa qualité à lui? C'est qu'on l'appelait Rabbi, c'est que c'était un Rosh Yeshiva. Donc on mikano chachat arambam, chez Rashi Yeshivot ayus mechim, mais c'est Rabbat Ashoeva. Donc de là, le Rambam il tire que même les Rashi Yeshivot, ils participaient essentiellement à la Simchal Bet HaShoeva. Parce que il y a Rabbi Shimon ben Yehotzadak, que lui c'était un Rosh Yeshiva, et comme ça on a fini presque toutes les catégories. Jusque là, il y a un détail à comprendre, c'est que dans la Gemara dans Yerushalmi, on l'appelle Ben Yehotzadak. Et le Rabbi, il a donc fils de Yehotzadak, pas Rabbi Shimon. Mais le Rabbi il dit, c'est quoi la qualité de ce fils de cette personne qui s'appelle fils de Yehotzadak? C'est ça qui s'appelait Rabbi Shimon. Mais si alors la qualité, c'est ça qui s'appelait Rabbi, il fallait qu'on écrit Rabbi, parce qu'encore une fois, on cite une personne pour apprendre une certaine catégorie. La catégorie qu'on va apprendre de Ben Yehotzadak, c'est ça qui s'appelait Rabbi. Alors on aurait dû écrire Rabbi, comment ça qu'il n'a pas écrit Rabbi? On peut poser la question. Comment on peut dire que comment ça se fait que le Yerushalmi il cite cette personne Ben Yehotzadak? C'est parce qu'il représente les gens qui sont Rabbi, les gens qui sont à la tête des Yeshivot. Alors que le Yerushalmi ici, il l'appelle uniquement fils de Yehotzadak d'Afka, velo Rabbi Shimon ben Yehotzadak, et pas Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Si c'est ça l'essentiel, il aurait dû me le dire. Et là, le Rabbi nous donne un enseignement magnifique pour répondre à cette question. Mais à Tirut Salkach, la réponse est la suivante. Neemar alav kan shayam ishtaber bikfitzotam, aynu sheitpaer bekar beatzmo. C'était quoi la qualité de ce grand Gadol Beisrael? C'était
qu'il se vantait, donc il était fier de ses sauts. Donc il avait un don spécial de faire des sauts magnifiques, a priori, et même jusqu'à que ça ramenait une certaine fierté. Quand une personne a un don et une personne prend une fierté de ça, il faut faire très très attention. Rine. Mishemé d'aber de maalot atzmo, une personne qui parle de ses propres qualités. Tzarich le d'aber beofen sheishlol chad shel achirim ou argasha atzmin shel gava. Il faut faire très attention de ne pas être soupçonné par d'autres personnes comme si on veut se vanter, comme si on veut surprendre, comme si on veut avoir de l'orgueil. On peut avoir un don, il faut l'exprimer, etc. Mais chas v'shalom, pas qu'on fait ça parce qu'on, et que les gens pensent qu'on le fait ça parce qu'on est orgueilleux. Pas seulement envers les gens, ou même envers soi-même, faire attention de ne pas prendre de l'orgueil de ça. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Yehotzadak, comment il s'appelait? Fils de Yehotzadak. C'est une expression qui n'est pas de l'honneur pour une personne. Comme si on dit, c'est quoi la qualité de cette personne? C'est pas lui-même, c'est que c'est le fils de cette personne connue. Mais Rabbi Shimon ben Yehotzadak, il le faisait exprès. Parce qu'il avait ce don spécial qui pouvait peut-être faire penser chez les gens que il avait de l'orgueil, ou même envers soi-même. C'est pour ça que comment il s'appelait tout le temps? Il se faisait appeler Ben Yehotzadak, fils de Yehotzadak, pour enlever dans son honneur, pour rabaisser dans sa personne, pour pas chas v'shalom, qu'il a un signe d'orgueil. D'ailleurs, un tel comportement, que quand on parle de soi-même, de pas se citer avec Rabbi, etc., pour pas chas v'shalom, arriver à l'orgueil, on peut le retrouver chez un autre grand Gadol b'Israël, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dans le derer Shabbatinu, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shekshedibber, Odot Atzmo Amar, il m'a dit Tiar ben Zakkai et Rosho, Af ou Lokora Atzmo Bishmo Shelo, et la Rak Keben, Beshayachut Bishmo Shalaviv. Très très belle histoire aussi là-bas, on peut aller voir dans la Gemara, où il y avait le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était malade, il y a Rabbi Hanina qui est venu prier pour lui, et il a réussi à le guérir, et après Rabbi Yochanan ben Zakkai, il parle sur soi-même et il dit: et si le fils de Zakkai aurait mis sa tête pour prier, etc. Et là-bas, la morale continue. Donc on voit que quand quelqu'un il parle de soi-même, il ne s'appelle pas Rabbi Yochanan, mais il dit le fils de Zakkai. Et pareil, quelque part, on peut expliquer pour Ben Yehotzadak, pourquoi il se fait appeler Ben Yehotzadak, alors que pourquoi la morale le ramène? Elle le ramène parce que c'était un Rosh Yeshiva, parce qu'il faisait attention de ne pas avoir de l'orgueil, donc il se faisait appeler Ben Yehotzadak. Et comme ça, on a compris, et on a une source pour de où le Ramban il tire tous ces personnages, parce qu'ils sont clairs dans la Gemara. On a bien compris aussi comment ça se fait qu'il y avait des différences dans la Simchat Bat HaShoeva, parce que c'est ça justement tout le chidouche de cette Sikha, d'expliquer que d'après le Ramban, Simchat Bat HaShoeva, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est pas une mitzvah des Rabbanan, mais c'est surtout quelque chose que les Juifs ils ont pris sur eux pour montrer l'amour qu'ils envers ça, que quand la Torah elle répète quelque chose, on essaye de mieux le faire. On va finir dans le Seif Yud. Maintenant, on va comprendre la Tam Shlomana Rambam Baalei Teshuva. Il nous reste une dernière question à comprendre. C'est finalement, alors on a compris pour tous ces personnages-là, comment ça fait que le Rambam ne parle pas des Baalei Teshuva? Pour lui, les Baalei Teshuva, ils sont écrits clairement dans la Gemara. Ils sont écrits dans la Braïta, comme on a ramené la fameuse Braïta. Alors, l'explication est la suivante. Rambam Mefaresh, Shein Abraïta Mosifa la Mishnah. Et la Mefareshet ou Mefaretet Kederech Abraïtot est un Nehemar de Mishnah Bekitso. Asug Chassidim, Amour de Mishnah. Le Rambam, il apprend, d'ailleurs c'est très connu dans la Gemara, après la majorité des avis, c'est que quand il y a une Mishnah et il y a une Braïta, pas forcément que la Braïta elle est en contradiction, ou la Gemara elle rajoute des choses qu'on ne connaissait pas. La Gemara, sur la Braïta, son but c'est de détailler ce qui était caché dans la Mishnah. En d'autres mots, dans la Mishnah, c'est écrit qu'il y avait les Chassidim et les Anshe Maaseh. Dans la Braïta, on parle aussi des Baal Tshuva. Le Rambam, il comprend qu'en vérité, les Baal Tshuva, ils sont écrits aussi dans la Mishnah. Ah, c'est écrit que Chassidim. Parce que d'après le Rambam, quand on dit le mot Chassid, on fait référence et à la personne qui était tout le temps bien, et à la personne qui est Baal Tshuva. Et donc, comme on va voir son explication. Et donc, c'est pour ça que le Rambam, en vérité, quand il dit... C'est vrai que le Rambam, il ne cite pas Baal Tshuva, mais parce que ce n'est pas un problème. Parce que le Baal Tshuva, il est déjà inclus dans le titre Chassid. C'est pour ça que le Rambam ne met pas le Baal Tshuva, parce que quand le Rambam il dit le mot Chassid, il fait aussi référence au Baal Tshuva. Alors, qu'est-ce que c'est exactement toute cette discussion? Alors, le Rabbi va ramener. Il y a l'avis de Rashi. Rashi dit que le titre Chassid peut être donné uniquement à une personne qui était tout le temps bien. Mais ça, c'est que l'opinion de Rashi. Le Rambam, il ne pense pas comme ça. On va voir dans les mots. Vas-y, le Shittat. Et le Rambam, il suit son opinion.
Rashi mefaresh que kol chassid avait chassid meikaro ou le fizé yefchar lomar chez soubze kolel gamba le tchouva. D'après Rashi, Rashi dit que c'est quoi un chassid? C'est chassid meikaro, c'est quelqu'un qui était tout le temps parfait. Donc ouais, on parle pas des baal tchouva quand on dit le nom chassid. Avant la Rambam, le Rambam il a une autre définition pour le nom chassid. Pasak beilchot deot, il écrit dans l'ilchot deot, ou mishéou medagdek alatsmo beyoter. Quelqu'un qui est très. Il fait. Alors même, il dit que c'est quoi un chassid? C'est quoi la définition du mot chassid? C'est une personne qui est très méticuleux, une personne qui fait très attention, et une personne qui se comporte très très bien. Pas forcément comment tu étais comporté hier, comment tu t'es comporté demain, quel était ton passé, etc. C'est une personne qui fait attention et qui pratique très très bien les mitzvot. Ça, c'est ce qu'on appelle un chassid. Alors, il n'y a aucun problème de dire que chassid, ça fait même référence au Baal Tchouva. Va naga kazo, un tel comportement, yichola leimatse, il peut être trouvé, hen betzadik ve chassid mekaro, et chez une personne que depuis le début était dans un bon comportement, donc le chassid. Ve hen ve aderaba, beikar, be Baal Tchouva. Et pareil, ça peut aussi faire référence, ou même ça fait essentiellement référence au Baal Tchouva, que lui fait très attention de bien se comporter. C'est pour ça que d'après le Rambam, quand dans la Mishnah on dit chassidim, on fait référence aussi au Baal Tchouva, parce que la Shita est du Rambam que le mot chassid, c'est pas seulement pour la personne qui était tout le temps parfait, mais c'est aussi pour la personne qui a fait Tchouva. Donc, et la katav chassidim stam ki besifro, akavana betoarze, yen le chassidim ikara, yen le Baal Tchouva. C'est pour ça que le Rambam aussi a son taux. Rien pour nous décrire toutes les personnes qui participaient à cette fête de Simchat Beit HaShoreva. Quand il dit le mot chassidim, il fait référence pas seulement au chassidim, donc des gens parfaits depuis le début, mais même au Baal Tchouva, parce que d'après le Rambam dans son livre, que la définition d'un chassid, c'est quelqu'un qui est très méticuleux dans Torah et Mitzvot, ben il peut faire référence et au chassid et au Baal Tchouva, parce que les deux ils font très attention à leur comportement dans Torah et Mitzvot. Et ça, c'est la fin. Donc, comment le Rabbi il a expliqué Simchat Beit HaShoreva, l'opinion du Rambam, comment le Rabbi il a trouvé une source pour tous les mots qu'a priori c'était pas clair, d'où le Rambam il est tiré, on a réussi à trouver une source dans la Gemara. Et pareil, comment ça se fait que le Rambam il citait pas Baal Tchouva, parce que la vérité elle est que lui il les cite. Et quand le Rambam il dit le mot chassid, il fait référence et au chassid qui était tout le temps bien et à la personne qui a fait teshuva. À la suite de ça, maintenant on pourra finir et comprendre comment ça se fait que le Rambam, à la suite de Simchat Beit HaShoreva, il parle de la joie qu'un juif doit avoir quand il fait les mitzvot. La récolte, après tout ça, mouvan gamatam, chez bien un Rambam, et malat à simcha shel mitzvah bichlal, behem shech le simcha Beit HaShoreva. Et l'explication est la suivante. Mais achash à simcha de simcha Beit HaShoreva, i osafa, be simcha yom tov, mechamat chavivut à mitzvah de simcha yom tov. Are hu a tochen shel simcha shel mitzvah bichlal. Osafa à laïkar ou begouf à ikar, chez ou asiat à mitzvah. Maintenant, c'est très très beau. On a posé la question, on a dit, comment ça fait que le Rambam ne parle pas de la joie de la mitzvah dans la joie de Yom Tov? C'est très simple. La joie de Yom Tov, d'une manière générale, c'est une mitzvah. Donc c'est l'obligation. Okay. La joie quand on fait une mitzvah, ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de faire la mitzvah. Quand une personne il est joyeux quand il fait une mitzvah, c'est juste qu'il montre comment il, à un tel point il aime la mitzvah. Que c'est pour ça qu'il est joyeux de le faire. Donc c'est quoi la joie qu'on a quand on fait une mitzvah? C'est pas l'essence de la mitzvah. C'est quand c'est y a la mitzvah et la joie d'une mitzvah, c'est montrer combien on aime la mitzvah. Ben ça c'est identique, c'est pareil que la joie de Simchat Beit HaShoreva. Parce que Simchat Beit HaShoreva, c'est pas une obligation d'être joyeux. Simchat Beit HaShoreva, c'est quoi? C'est que les Juifs, ils ont montré leur amour envers les mitzvot, que puisque la Torah, elle accentue, eh ben, nous, on va être encore plus joyeux. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est pour ça que le meilleur endroit pour parler de la joie qu'on doit avoir dans une mitzvah, qui veut dire pas seulement se limiter à l'action elle-même, mais rajouter, de montrer combien on aime la mitzvah, ben, on la met collée à Simchat Beit HaShoreva, qui est justement ça, comment les Juifs, ils montrent leur amour qu'ils ont envers les mitzvot, qui ne font pas uniquement le strict minimum, mais qui font encore mieux, ils se réjouissent encore plus dans la joie de Simchat Beit HaShoreva. Et ça, c'est en premier point. Le Rabbi, après, il va encore plus loin. Et là, chez Yeshinyan Nosaf Bazé, il y a encore quelque chose de plus. C'est pas que c'est la même chose. Mais en vérité, dans être joyeux quand on fait une mitzvah, c'est encore beaucoup plus que la Simcha Beit HaShoreva. Besimcha shel mitzvah bichlal, yesh chidush gadol arbe yoter me'asher besimcha Beit HaShoreva. On a joie quand un juif, il est joyeux. Quand il fait une mitzvah, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que quand juste il est joyeux à Simcha Beit HaShoreva.
C'est quoi Simcha Beta Shoeva? Ben Simcha Beta Shoeva, que chez Adam Sharoul de Matzav Shel Simcha Belavachi. Ou Pshita chez Advut Mushlelel Mimenu. Enze Kachel la vie à Tzmolide au Safa de Matzavze. C'est quoi Simcha Beta Shoeva? Un juif, il fait la fête de Yom Tov, donc il ne travaille pas. Un juif, il est déjà joyeux, comme on a dit, il a des bons repas, il a un bon vin. Viens Simcha Beta Shoeva, dit, une fois que tu es déjà joyeux, alors sois encore plus joyeux. C'est très facile. Ça ne demande pas un effort pour la personne de plus se réjouir quand tout va bien. Donc c'est important, on montre l'amour qu'on a envers la mitzvah, mais c'est un comportement qui est facile. La personne, pour le faire, il peut facilement arriver à une telle joie. Bien, la joie de la mitzvah, elle nous dit un message qui est beaucoup plus différent. Ah ben, simcha shen mitzvah bichlal, mais d'être joyeux quand on fait une mitzvah, c'est l'idresh, c'est quelque chose qu'on réclame à la personne bechol mitzvah ou bechol yom, bechol matzav sheye. C'est chaque jour de l'année, à chaque mitzvah qu'on fait. Dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve intérieurement, spirituellement, psychologiquement, quand une personne, qu'elle est joyeuse, qu'elle n'est pas joyeuse, à n'importe quelle situation de la vie, n'importe quel jour de la vie, quand on vient pour faire une mitzvah, vient la Torah, elle te dit, tu dois être joyeux à ce moment-là. Alors on comprend bien que la chen simchazo d'Afka avodag dolaï. On comprend bien que cette joie-là, c'est une joie-là qui est avodag dolaï, qui a un grand travail. La joie de Simcha Beta Shoeva, ce n'est pas tellement un grand travail. La personne est déjà en train de faire la fête toute la journée. Alors rajoutant encore plus, pourquoi pas. Quand la viande te dit que tu dois être joyeux, même dans n'importe quel jour de l'année, quand tu fais une mitzvah, là, le Rambam, il dit les mots à Vodak Dola, c'est un très, très grand travail. Ou le Fichach, il vient à Rambam Dougma, mi David Amel, Hashem, me fazez, ou me chakir, le Fnachem, me gomer, la med adecha, tzichaliot, asimcha, bechol, la mitzvot, afolpi, shekacher, la adam, la vie, atzmon, le kar. C'est pour ça que sur ça, le Rambam, il ramène un exemple de David. Parce que ici, on a besoin d'un exemple de savoir combien on doit être joyeux. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Eh bien, le Rambam, il te dit que sache que tu dois être joyeux quand tu fais n'importe quelle mitzvah, dans n'importe quel jour de l'année, autant que David Ameler était joyeux. Et donc, il nous montre un comportement de David, comment lui, il était joyeux quand il faisait les mitzvot. Alpizé, et d'après cette explication sur la joie de la mitzvah, d'une manière générale, Baoud Ivra Rambam Inakal et la Kavel. Alors, selon ça, on va comprendre qu'en vérité, le Rambam, dans son livre, il suit. Et en fait, il monte de niveau en niveau dans la joie. Bitrila evi et inyan simchat yom tov bichlal kol ha'moadot mitzvah lismoach bahem. Achar kach ma'ire besimchat chag ha'sukot shi avoda na'alit yoter vekanal shi ba mitzvat chavivut ha'mitzvah. Au début, le Rambam il nous dit que bichlal, pendant la fête, il faut être joyeux. Ça, c'est le minimum. Après, le Rambam il dit, sache qu'il faut être joyeux encore plus. Et ça, c'est quoi? C'est simchat bet ha'shoeva. C'est montrer que puisque le juif, il aime la Torah, donc c'est pour ça qu'il est encore plus joyeux. C'est déjà une mitzvah qui est plus. Ce n'est pas une obligation, c'est que le juif de lui-même, il vient et il se réjouit encore plus. Mais quand même, c'est quand même facile, parce que comme on l'a expliqué avant, on est déjà dans un état d'esprit de joie. Après, le Rambam, il continue, il dit, « Va rankach, besimcha shel mitzvah bichlal, shi kasha yoter avodak dola. » Après, le Rambam, il dit, « Après, il y a le niveau le plus haut, qui est le plus dur. » C'est quand une personne arrive à être joyeux tous les jours de l'année, pas seulement pendant la fête, mais tous les jours de l'année, dans chaque action qu'il fait, dans chaque mitzvah qu'il fait. Et ça, c'est pourquoi le Rambam y met donc la joie de la mitzvah à la fin de Simchat Bet HaShoeva, à la fin de la joie en plus qui se passait pendant la fête de Sukkot. Rabbi, il finit. Zoï Gamora Benoga les poils. Et ça aussi, c'est un enseignement, concrètement, un très très bel enseignement. Yachol Yudi Lomar Bilibo, un juif, il peut se dire comme ça. Bish Lama Bimezman Simchatenu Biechoto Leorer Batzmo Bitnoa Shet Simcha. Je comprends. C'est possible pour moi, dans des moments de fête, c'est la fête de Sukkot, de se réjouir et d'être énormément joyeux. Mais comment une personne peut réussir à se travailler à un tel point qu'il va être chez Yébé Simcha, qu'il va être joyeux? Comment je peux réussir à être joyeux même après que la fête elle est finie? Même après que les jours spéciaux de joie sont passés, même à ce moment-là, la personne elle peut être encore joyeuse. D'où il va tirer la joie? Ah, pour lui, si ce n'est pas la fête, s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la musique, il n'y a pas tout ça, alors d'où la personne elle va tirer la joie? Et c'est une bonne question. Et là, le Rabbi nous dit qu'en vérité, et le Rabbi nous donne un enseignement très très beau. Il n'y a qu'à Homer Rambam, c'est sur ça que le Rambam il nous dit. Chez la Chan Simcha Bet HaShoeva, que même après que tu as fini d'être joyeux pendant la fête, Az Dafka Matrila Avodah Gdola Chez la Simcha Chez le Mitzvot. Et bien, même encore, tu peux être joyeux quand tu fais des mitzvot. Quelle est la réponse? Et là, c'est la réponse. Comment on peut réussir à être joyeux même après la fête? Vezod Mishum Chez Tamid. C'est parce qu'en vérité, il faut se dire dans la tête que tout le temps, à Fulou Bimotachol, même dans le quotidien, dans les jours de la semaine, Kol Tnoua Shel Yehudik Shura La Avodat Hashem. Chaque mouvement qu'un juif y fait est lié avec le service de Dieu. Comment? Ah, oh, chez Zoé Mitzvah Kimchua, ou bien pas, il fait une mitzvah. Il met les tefillin, il met la tzedaka, il met une mezouza, etc. Donc, ou bien concrètement, il fait une mitzvah. Oh, ou bien,
Chezeu prad bechol maasechayu ou lechem shamayim ou bechol derachadayu. Ou bien peut-être que c'est pas une mitzvah directement, mais c'est une mitzvah que, comme la phrase elle dit, que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu, ou réussis à trouver Dieu dans tous tes chemins. C'est-à-dire, une mitzvah, c'est pas seulement quand on fait une action de mitzvah. Une mitzvah, c'est tout. Si je fais la chose pour Dieu, si je fais la chose pour prendre des forces, pour étudier, pour servir Dieu, pour faire des mitzvot, alors même des choses profanes, ils deviennent des mitzvot. Et donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque chose qu'on fait dans la journée, c'est une mitzvah, c'est un attachement à Dieu. Donc la chose doit être faite avec joie. Servir Dieu avec la joie. Pour eux ici, ce que le Rabbi veut nous dire, c'est quelque chose de très fort et simple en même temps. On a la question pour eux, comment on peut être joyeux tous les jours? C'est une bonne question. Si ce n'est pas la fête, s'il n'y a pas la musique, si ce n'est pas d'où je vais tirer la joie. Mais là ici, c'est l'erreur. L'erreur, elle est parce qu'on comprend que la joie, c'est uniquement dans certains moments, dans certaines situations. Bien, le Rabbi nous dit la joie, c'est quelque chose que tout le temps on peut être avec. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut apprendre l'importance des actes qu'on fait tous les jours. On n'arrive pas à trouver la joie quand on dit on sort des jours de fête parce que les choses qu'on va faire après ne sont pas importantes, n'ont pas d'importance. Bien, le Rabbi nous dit, un juif, il doit réaliser que chaque chose qu'il fait dans la vie, c'est très important. Parce que chaque détail de sa vie, s'il veut, il peut les relier avec Dieu. Et donc, juste du fait de se mettre dans la tête que chaque détail qu'on fait, c'est relié avec on est en train de s'attacher à Dieu, ben ça même, ça doit créer chez le juif une joie énorme. Et donc ça, c'est la manière comment un juif il doit réfléchir. La joie, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans certains moments, dans certaines journées, dans certains endroits. La joie, c'est parce que n'importe quelle chose que je fais est important. Comment on peut dire ça? Ben oui, parce qu'à travers n'importe quel acte qu'un juif fait, il s'attache à Dieu. Ah, pour lui, on peut finir peut-être avec une question. Alors, d'après un tel comportement, la personne va arriver dans une joie énorme, dans une joie magnifique. Et peut-être que des fois, il faut se limiter. Ah, Shabu Khazai, même que les Chachamim nous disent, Assour, la dame Sheba, les Srok Pivo, la Mazé, c'est interdit pour un homme d'être tout le temps joyeux, de remplir son visage de joie et de rigolade. Il faut faire attention, parce qu'on n'a pas encore le Beth Amidash, c'est pas encore Mashiach, il faut être un petit peu triste. Alors, il dit non. Ça, c'est vrai pour d'autres joies, mais pas pour les joies des mitzvot. Arébé Simcha Shel Mitzvah, si un juif il est joyeux parce qu'il fait une mitzvah, Adéraba au contraire, pas seulement que c'est bien, mais Mouvan Shei Chiyu Benyan Echiris, pas seulement c'est bien, c'est même une obligation, même quelque chose de très nécessaire. Donc c'est ça qu'il faut dire. Quand on dit que, après, dans d'autres sources, dans la Gemara, c'est écrit que peut-être il faut diminuer dans la joie, on parle d'autres joies qui ne sont pas liées avec Dieu, mais une joie qui est liée avec Dieu, pas seulement que c'est bien, même il faut être joyeux. Et plus que ça, Simcha Zo Dafka, c'est cette joie-là qu'un juif il a même maintenant dans la galoute, dans l'exil. Que pour elle, gamme les malades, bien la soie qui va ramener que Dieu aussi va rire, que Dieu aussi va se réjouir. À un tel point, Ad Sheit Kayem Yoshev Bashabaim Israël, jusqu'à qu'on pourra accomplir le fameux passage dans le Télim qui nous dit que celui qui est assis dans le ciel, il rigolera. De quoi il rigolera? Israël, le Cholam Evakshim, le Haïk, Razve Shalom, l'Israël. Il rigolera de tous ceux qui veulent faire du mal au peuple juif. Quand un juif, il est joyeux en bas, il arrive à. Un juif, il sourit, un juif, il est joyeux. C'est ça qui crée chez Dieu que Dieu aussi rigole, que Dieu aussi quelque part il rigole de tous ceux qui veulent nous faire du mal, il les extermine, il les élimine. Ve'ad à un tel point les kiyumayut que la promesse que azimale srok pinu que quand Mashiach va venir, nos bouches seront remplies de sourires, seront remplies de joie. Ben c'est la joie d'aujourd'hui qui va accomplir qu'on pourra atteindre ce but là final qui est le but de Mashiach quand on sera complètement et tous joyeux, mais biat Mashiach Tzidkenu Bekarob Mamash, à la venue de Mashiach Tzidkenu très prochainement, à travers ça, quand un juif il est joyeux en exil, un juif il rigole, c'est ça que un juif il sourit, c'est ça qui fait que Dieu il sourit sur tous les amis du peuple juif parce qu'il les élimine, il les extermine, et plus que ça, c'est ça qui va ramener, et qu'on va ramener aussi la joie finale, la joie qui va être là dans ce monde-ci, très très bientôt, quand Mashiach il viendra.